Et on se retrouve. J'aime bien comme Curie, elle me tourne autour. Mais elle a un putain de cul. J'aime beaucoup son armure. C'est aussi un mode, hein. J'essaye de finir une page avec tous les mods que j'utilise. Comme ça, les gens pourront regarder chaque mode. Si vous savez pas, j'ai déjà fait 3 vidéos. Enfin, c'était une grande vidéo qui a duré 1 h 30 à montrer tous les modes. Mais bon, elle a été faite il y a quelques mois, donc maintenant j'ai un peu changé. Mais vous pouvez déjà voir un peu ce que j'utilise. En tout cas, ouais, c'est très joli cette armure. Ça fait cuir, enfin non, latex avec des parties métalliques, un peu armure. C'est différent de la mienne. Moi, c'est la nanosuit, c'est autre chose. J'aime bien le harnais là qu'il a. Ça, c'est pour tenir en fait sa prothèse droite, son bras robotique. C'est plutôt classe. En tout cas, on est reparti. Des fois, on perd tellement de temps en fait dans le jeu à regarder les choses que les gens ont créées parce que c'est super beau, super bien fait. Oh, il y a du bruit. Trappeur sans pitié légendaire. Vous avez entendu quelque chose? Ouais. Donc il y a des mecs de partout. Ouh, il y a des mecs avec des noms en plus. Oh, je mets à couvert. L'ennemi a été localisé. Rendez-vous, ce sera la guerre. Fuyez immédiatement. Ok. Une grenade a été lancée. Quel bordel. Ok, on va. On va y aller close and personal. Voilà. Au nom de la confrérie, je vous arrête. Putain, tu prends pas de dégâts, toi. Ok, c'est l'heure de se droguer. Parce que la drogue, c'est la vie. Drogue, drogue, drogue. Oh oui, oh oui. Psychotate, c'est quoi ça? Résiste dégâts. Pas mal, ça. Amenez-vous! Amenez-vous! Oh la putain de sa race! L'autre il est en train de me défoncer là-bas. Putain, t'es en armure! Votre compagnon a besoin de soins. Oh ta mère. Je croyais que c'était moi. On nous tire dessus. Ennemi inconnu. D'accord, c'est pour ça que t'es. T'es grave résistant comme un connard. Ok. Ok, ok, tu... Lance grenade. Bon, par contre, le mec il prend rien du tout, quoi. C'est quoi cette merde?
Ah putain, c'est elle qui a le lance-Fatman. Il fait mal cet enfoiré. Hein. Par contre, un truc que je voudrais faire en fait, c'est lui briser les jambes. Putain, le recul de cette arme, c'est horrible. Non. Oh la vache. Putain, ma vie. Elle est encore par terre, elle. Des contre-mesures défensives. Immédiatement. Au-dessus. C'est qui ce connard? Sentez-vous toujours bien, voilà. Son armure est... était détruite, je pense. Avec tout ce qui s'est pris, de toute façon. On n'est pas overpower au final, hein. On n'est vraiment pas du tout overpower, hein. On est juste normal. Brouillard Tora. Le brouillard n'épargne personne. Qu'est-ce qu'il a, lui, le brouillard? Hunting rifle, non? D'abord tuer tout le monde. Elle est toujours par terre, elle. Elle est où, Curie? Elle est là, Curie. Tu vois ce brouillard? T'en sortiras pas. Yusk. Putain, de pas les voir sur le compas aussi, c'est chaud. Hein. C'est beaucoup plus dur. Mais bon, enfin, je me plains pas. Hein. Je préfère comme ça. Est-ce qu'on peut passer par... là. On peut pas passer, mur invisible, hein, c'est rude. Ok, on va essayer de pas tomber, apparemment. Je suis en train de me prendre la tête pour rien en fait. On va juste aller à l'intérieur et prendre l'escalier. Invisible. Oh, t'es là. Encore. Military ça bag. Vraiment quelque chose. Je la gueule, il trouve moi. De la surface. Ça c'est bien. Tu... Oh, c'est quoi? C'est un sniper qui me vise. Oh, je la ne vache. Pensais pas qu'il y avait autant de violence ici. Je crois qu'il est là, ouais. Une grenade a été lancée. Oh putain. Votre coup et vos signes vitaux se situent toujours dans les normes acceptables. Il est passé où le mec? Putain d'Houdini. La
vache, c'est quoi ce mec? Oh putain, ah, voilà. Oh la vache. Hop là. Cet endroit est d'une telle violence. M'a fait peur ce con. Oh la vache. Mais il y en a combien? Au nom de la confrérie, veuillez déposer vos armes. Ah, quelqu'un qui est à moitié mort. C'est super grand en fait ici. J'ai cru voir quelqu'un. Il est pas dans l'eau, il est pas en train de nager quelque part. Non. Là-bas. Sinon, si vous avez remarqué, je fais pas dans la dentelle. Quand il faut genre 4 balles pour tuer quelqu'un, ben j'en balance 40. Hein. Mais bon, c'est mon style de jeu. On va prendre ça parce qu'on va pouvoir récupérer de l'eau. On va commencer. Je pense pas qu'il y ait... Oh putain, fatigué. Je pense pas qu'il y ait... Je veux dire, je pense pas qu'on a encore fini. Je pense qu'il y a encore quelques mecs, mais... On va commencer à looter la place, en fait, hein, parce que bon... C'est tellement grand. Sérieusement déshydraté. Vous êtes fous de ma gueule. Ah oui, c'est vrai que c'est tous les steampacks qu'on s'est pris. Mais si tu prends une bière, ça marche. Dépendance à l'alcool, putain. Non, ça marche pas. C'est bon, là ? Ah putain. Hop. Au nom de la confrérie, déposez vos armes. Je crois que nous avons de la compagnie. Oh, oh merde. Reprise des procédures de combat. Messieurs, les ennemis ont été éliminés. Ouais, t'es mort. T'as vu quand vous visez... Oh ! C'est nouveau, ça. Ah oui, je crois qu'ils ont rajouté des nouveaux légendaires. J'avais complètement oublié ça. C'était quoi, celui-là ? Le temps ralenti quand vous visez. Oh putain, il met du temps à s'activer. Il y a un putain de délai. Il y a genre une seconde de délai
quand on vise et quand on arrête de viser. Je sais pas si c'est fait exprès. Oh putain, c'est chiant. Non, non, c'est super chiant en fait. Ça pourrait être super bien, mais c'est super mal fait. Bien joué. On arrête de viser, le ralentissement il est encore pendant une seconde, on se met à viser, il met une seconde à s'activer. Non, c'est... Non, c'est pourri. Ça va en fait être plus chiant qu'autre chose, quoi. Mais c'est sympa d'avoir des nouveaux légendaires. Tellement de trucs ici à looter. Sa place est dans une poubelle. C'est de l'alcool, ça va pas la tête. Tu fous pas l'alcool dans les poubelles. Parce après c'était peut-être une bouteille vide aussi, je pense. Hop là. On a plein de bouteilles. Ce serait trop dur d'avoir, genre à la place de juste taper une fois R, on puisse maintenir la touche et ça remplit toutes les bouteilles. Non, ce serait trop demandé d'avoir ça. Voilà. On va voir le mec qui était en armure, ce qu'il avait, parce qu'il était super résistant par contre. Par contre, il va falloir remonter, je crois. Pour trouver l'endroit où remonter, je sais pas où c'est. Là, on est sous le bateau, en fait, d'accord. Peut-être là. Ouais. Ou pas. Oh putain, ça monte charge. Ah merci. Bah Curie, tu te débrouilles, hein. Alors, où est-ce qu'on l'a défoncé le mec par contre? Oh, c'est quoi ça? Oh, drogue! Oh! Ah. Medix! Oh putain, c'est bon ça! C'est quoi ça? De l'huile. Ça aussi on prend, ça aussi. Quand on retourne à la ville, faudrait vraiment que je pense à récupérer, enfin à déposer tous mes objets en fait. Faut qu'on trouve un endroit où c'est que je peux déposer mes objets. Hop là. Là-haut. Alors qu'est-ce que t'avais comme armure? Est-ce que t'avais une nouvelle armure ou... Harpon. Oh, il y avait toi aussi, fusion, shotgun shell, c'est toujours bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Combat, sniper, rifle. Ah, c'est pour ça qu'il faisait mal, lui. Oh, putain d'enfoiré. Ah ouais, ils font mal, ces fusils. Après, j'aimerais bien changer d'arme, mais le problème, c'est que bah, toutes mes armes, elles sont au Commonwealth. Donc, j'ai pas envie de me retaper tout le chemin pour rien. Il était juste en Raider Power MK, d'accord, ça va, c'est pas rien de spécial. Ça vaut pas vraiment la peine de... Quoi qu'elles sont détruites, les parties, donc le poids,
il est 0, donc ça va, on peut le prendre. Donc on a bien fait de lui défoncer le l'armure. Est-ce qu'on prend ça ou pas, sniper? Non, on n'a pas besoin. Est-ce que t'as des trucs ici intéressants? Et on doit faire quoi ici? On doit juste tuer tous les raiders, c'est tout? Ouais, c'est tout. On a un lit, on va pouvoir faire une petite sieste. On n'est pas endormi apparemment. Ah oui, mais c'est vrai qu'on s'est drogué et tout ça, je crois que ça nous réveille en fait. Ça va où là? On est allé là ou pas? Ou c'est de là d'où on vient? Je crois, ouais. Ah. Mais vu que j'ai évité de ramasser tous les objets, bah on peut pas faire grand chose en fait. Ah, on a une fibre optique. Curie. Oh non! Non! Ça tombe mal, on va devoir peut-être dormir, je pense. Pour laisser passer la tempête. Curie, où es-tu? Je déconne quand je t'ai dit tu te débrouilles. Je me suis dit, viens, peut-être quand même tu vas y arriver, non? Apparemment, non. Putain, merde. Ah, Curie. Prudence. Je sais pas pourquoi il dit prudence à chaque fois, ça me rend fou, ça. Testons. Qu'est-ce que tu me fais, là? Ah, voilà. Alors, laser sight... Tactical Light. Ah, on va mettre vert. Putain, ouais, mais j'ai qu'un fibre optique en fait. Curie. Ah. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai bien comme il la siffle. Après, avec un cul comme ça. Je peux plus rien porter. Pas les trucs à détruire. Bon. Là. Et le striker, je te le donne ou pas. D'accord. Ne portez pas de lourdes charges. Vous allez vous faire une hernie. Ouais, bah tiens, on va s'en faire une hernie. On va garder le Fatman. Fatman de côté. Est-ce qu'on est en surcharge ou pas là? Je crois. Ah non, non. Apparemment non. Non, ouh. Pile non. Ça va. Ah oui, j'ai dit qu'on allait dormir. Ça va, maintenant elle a une lampe torche. Oh, bug. Sa lampe torche, elle reste allumée. Quand elle met le fusil... quand elle range le fusil. Oh, putain. Bon, c'est pas grave.
Bon bah quand c'est la nuit, on va rester avec le... avec l'arme... l'arme sortie, comme ça, ça fait pas... ça, ça brise pas l'immersion. Alors... Bon, on retourne à Far Harbor. On va voir si on trouve pas des trucs en... sur le chemin. Et on va essayer de... Peut-être que je prendrai genre 5-10 minutes, mais après la vidéo, entre celle-là et la prochaine, pour me vider les poches, tout ça, pour... voilà. Que on commence à être un peu lourd. On commence à être légèrement lourd. Hop, tchoup, tchoup. Dégâts subis en raison d'une attaque. Ah d'accord, c'est un village ça. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais aller le défendre. Là, on était déjà allé. Pourquoi sa lampe elle est vachement plus claire que la mienne ? En tout cas, c'est classe. Là, on trace. C'est pas super loin au final. Putain, qu'est-ce qu'on peut courir? Il a une putain d'endurance, Willem, c'est abusé. Il n'y a pas de... Je suis sûr que ça va servir à quelque chose. Ah putain, t'as toujours ta lampe allumée. Ah, qu'est-ce que c'est chiant. Pas grave, on va pas regarder. Protégez vos proches avec les pistolets de qualité. Aux pêcheurs, ne sous-estimez pas les trappeurs de l'Azalée. Le MS Azalée est prêt. J'envoie mon équipe tout de suite. Écoutez, à part le Toubib, personne n'est au courant de... mon état. Si votre offre tient toujours, j'aurais bien besoin de conseils. Je pensais m'éclipser une fois que la coque sera finie. Partir discrètement au beau milieu de la nuit. Ces ingrats ne sont bons qu'à me distraire, mais... Bon sang, je sais même pas pourquoi je vous ai raconté tout ça. Parce que je t'ai demandé. Quitter la ville dignement. Choisir votre mort, rester avec des amis. Suivez votre instinct. C'est une décision importante, mais... Si vous écoutez votre cœur, vous ferez le bon choix. Quand on regarde la mort dans les yeux... Tout devient clair. Je n'ai encore rien trouvé. Je ferais mieux de continuer à chercher. Allez, laissez-moi tranquille. J'ai du boulot. Attends, c'est toi qui me tapes la causette, quoi. Connasse. Putain de dingrat, ici. Parlez à Teddy Wright. Obtenir Ed Cassie. Oui, Ed Cassie, c'est ça. Il faut les rôdeurs de machin, donc ils sont, c'est l'autre côté. Teddy Wright, par contre, c'est nouveau, ça. Ah oui, c'est par rapport à son... Vous êtes un sacré spécimen, vous. Nos sympathiques habitants font tout leur possible pour vous chasser d'ici, mais vous vous entêtez à aider cette bande d'ingrats. Je me demande vraiment ce qui vous pousse à continuer. Pour les capsules. C'est vraiment important? J'imagine que non. Les gens d'ici, ils ont leurs habitudes, vous comprenez? Vous aurez beau faire des efforts, ça sera pas facile de les changer. Sans rire. Il nous a fallu 3 générations avant de réussir à convaincre les Dalton de nous vendre un quignon de pain. Mais il paraît qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors il y a toujours moyen d'y arriver, même si c'est la croix et la bannière. Je vous écoute. À l'époque, on choisissait les chefs avec une épreuve qu'on appelait la danse du capitaine.
Il paraît que les plus forts, les plus méchants et les plus dingues parmi les habitants devaient jeter des appâts dans l'eau pour attirer les pires monstruosités de l'île. Une fois que l'aspirant capitaine avait tué la reine des fangeux, le rôdeur des brumes ou je sais pas quoi encore, il invitait toute l'île pour dévorer sa carcasse dans un grand festin. Bon, je dis pas qu'on vous nommera capitaine non plus, mais si vous faites ça, tout le monde vous respectera. D'accord. Eh bien, allons-y. Je vais devenir une légende. Une quoi ? Vous me faites marrer, vous. Il y a un coin à Fangeux bien connu, pas loin de la jetée des Mettes. La côte est dangereuse par là. Allez-y et balancez de la viande dans l'eau, peu importe laquelle. Le sang et les viscères devraient attirer du beau monde. Vous aurez plus qu'à attendre. Moi, je vais m'arranger pour qu'il y ait un témoin ou deux, histoire que tout le monde sache ce que vous valez vraiment. Cool. Ouais, on va devenir une putain de légende. Oh, ça pète, ça. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont même plus de toit. Produisons à l'avant, oublie à l'arrière. Vous voilà au pêcheur. Hey, vous cherchez les bonnes affaires ? Curry. Hey. Vous avez besoin de moi ? Parce que tu me rends fou déjà avec ta lampe. Vous en train de me faire un cadeau ? Donc, donne-moi tout ce que t'as. Tu me rends fou avec ta lampe. Tu me rends fou. Vous je vais l'enlever. Une charge impressionnante. Je vais l'enlever. Par contre, il est où le truc pour... Merde. Merde. Ah, là-bas. Oh, putain. Tout ce dont vous avez besoin se trouve au pêcheur. Voilà. On va juste laisser le laser. Des armes, des munitions et des souvenirs. Achetez-en tant qu'il y en a. Ok. Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Putain, par contre, les munitions, comme elles partent vite, je pensais pas qu'on allait... on peut mettre du plasma et du laser, ça pète. Je pensais vraiment pas que ça allait aussi vite partir. Sans armes, vous ferez pas de vieux os ici. Avec la mitraille, avec la Gatling. On va utiliser le fusil à pompe un peu plus, je pense. Au pêcheur, vous trouverez votre bonheur. L'armure, on n'a pas besoin normalement. Ne laissez pas l'île vous prendre par surprise. Achetez mes armes. Non. Tout ce dont vous avez besoin se trouve au pêcheur. Hey. Avez-vous besoin? Donc ouais, je crois qu'on va s'arrêter là. De quelque chose ? Je crois qu'on va s'arrêter là. Si vous avez les capsules. Quête, rite de passage. C'est où le rite de passage ? T'es sérieux, c'est à l'autre bout ? C'est l'autre côté de l'île. Putain de sa race. Bah du coup, je pense qu'on va aller éliminer le rôdeur des brumes, jeter de la viande dans l'eau. Et si jamais il n'y a plus rien à faire après ça, bon, on continuera sur la quête principale, je pense. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Qu'on a à transformer. Ouais, on va rester comme ça. Je viendrai approvisionner mon stock. J'ai tout ce qu'il faut pour vous nourrir et vous soigner. Tout le monde adorait grand-père Georges. Voilà. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que moi, je vais prendre 5-10 minutes à me vider l'inventaire, tout ça, parce que c'est un peu le bordel, là. Donc on va se vider l'inventaire. On va
On va voir ce que je peux faire avec ce qu'on a récupéré. Et après on continuera les quêtes. Parce que bon, ça va pas être très intéressant de me regarder pendant 20 minutes. Me vider les poches, faire des allers-retours, tout ça. Donc merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.